Yo, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Genzi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team les gars. Il est 8h26 au moment où je tourne la vidéo les gars. L'anniversaire débute aujourd'hui. On a eu le jeu à l'heure, la mise à jour n'a pas été étendue et les gars, regardez-moi ce fond d'écran, il est magnifique. Il est magnifique. Du coup on a les 12 pays qui sont représentés. Qui vont sortir durant cet anniversaire. On a la France, Brésil, Suède, Mexique, Uruguay, Italie, Angleterre, Argentine, Espagne, Pays-Bas et Allemagne, et ainsi que le Japon, tous les gars avec leur maillot officiel, c'est magnifique. Juste à noter un peu que sur les maillots sponsorisés par Nike, il n'y a pas la virgule qui apparaît, sauf sur le maillot Brésil. Si vous voyez là, le Pierre, bizarrement, il a pas le Nike. Le naturalisé, il a le Nike. Bon, allez savoir pourquoi. C'est pas grave, c'est un souci de détail. Mais les gars, les maillots sont magnifiques. Hein. Le fond d'écran est magnifique. Tout est beau. Voilà, c'est propre. Je kiffe. Voilà, je suis en plein kiff total. Du coup, là, les gars, on va rentrer dans le jeu tranquillement et on va analyser les news ensemble. Il y aura deux vidéos, les gars. Là, on va se faire le portail japonais et juste après, vous aurez une vidéo invocation sur le portail allemand. Du coup, les gars, on rentre sur les infos. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'ils nous vont rajouter des nouvelles informations? Alors, Dream Championship. Là, on a la phase Japon, Asie orientale. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, les portails, on les avait vus. World Dream Campagne. Est-ce qu'ils nous ont rajouté des trucs en plus? Ok, du coup là on aura recrutement 10 joueurs gratuits SR ou garantie ou mieux garantie. Ça je crois ça va être tous les jours hein. Tous les jours on pourra faire la petite multi. J'ai vu un peu le portail, c'est une petite multi gratuite avec du coup les SSR disponibles sur le jeu. Là je vois qu'il y a du Christiansen, donc voilà, pour ceux qui voulaient As qui était sur son portail Halloween mais qui n'ont pas invoqué, je pense que vous pourrez le récupérer ici. On a le dernier aussi, Shunko, là, qui a le double scellement. Franchement, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? On a l'événement World Dream Match pour récupérer des récompenses par-ci par-là. Ok. On a l'event à médaille. Là, c'est. Ben, après, pour le coup, c'est ce qu'on avait déjà un peu vu auparavant. Ok, ok, ouais, il n'y a rien de nouveau après. Il n'y a rien de nouveau après. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça va être les missions. Les missions, alors, on les a dans le détail. Est-ce qu'ils ont dévoilé la campagne de retour, tout ça? Ouais. La campagne de retour, les gars. Alors. Ah non, ça c'est pas la campagne de retour. Retweet ce message. Alors, si on fait 400 retweets, on peut récupérer 30 Dream Ball tous ensemble, les gars, je pense que c'est sur le Twitter du jeu. Ok, entraîne tes joueurs. Alors, entraîne tes joueurs 0 fois au total. Ils nous ont pas mis le nombre, d'accord. Il y aura moyen de récupérer 100 ballons. Ensuite, 3 tickets de retrait, 3 SSR. Et si on termine tout, on aura un ticket World Dream. Et après, ils nous font suivre les liens du Twitter. Bon, ok, ok, ok. Défi surpuissant. Les nouvelles teams les gars, les nouvelles teams, on en avait parlé. Ah, on peut pas les voir malheureusement, mais j'ai eu l'occasion de les voir et franchement les gars, les nouvelles teams, elles sont incroyables. Elles sont trop incroyables les gars. Donc franchement, avec ce que Club nous donne, on peut carrément commencer le jeu avec une énorme team les gars, en free to play. Là, il n'y a plus besoin de... Voilà, même sans reroll, les gars, vous pouvez commencer avec une très très grosse team. Alors, je vais peut-être essayer de vous faire passer une image des trois teams au montage. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais... En tout cas, dans les trois teams, normalement, il y a une team Europe, une autre sud-américaine et une autre japonaise. Et franchement, il y a des persos assez récents qu'ils ont mis dans ces trois teams. Et c'est très cool. Hein. Je trouve ça très cool pour les free-to-play. Ça permet de bien commencer le jeu sans être trop désavantagé. Du coup, on a aussi le leak du prochain portail qui devrait arriver le 7. Le 7, c'est lundi. D'accord. Lundi et qui va durer jusqu'au 21. Ok. Il va durer jusqu'au 21. Je crois pas que le portail...
Jap et le portail Allemagne dure aussi longtemps. Avec un Victorino et un Hino. Et on va regarder Victorino en premier. On va voir si le Victorino qui sort là, il est déjà plus fort que le Next Dream. Alors, cure de non-jab 20%. Une volée à 480. Intensité sur ballon bas 10%. Il booste l'Amérique latine de 1%. Cure d'endurance 25%. Franchement, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Enfin, il ressemble. C'est un perso anniversaire, quoi. Donc, il est forcément un minimum intéressant. Mais je le trouve pas aussi fort que le Victorino rouge, les gars. Je le trouve pas aussi fort. Ouais, faudrait voir sur un match entier ce qu'il donne. Le Hino, les gars, est-ce qu'on va avoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Hino bien fort. Hein. Ça fait longtemps. Du coup, lui, plus il y a de joueurs Jap qui participent, 20%. Ok, jusqu'à 5. Donc, avec 5 joueurs non Jap, il a les 20% constants. Il a un ballon haut à 500. 4% et 3,5% de shield. Il booste les joueurs Amérique latine 1% aussi. Ok. On aura peut-être une méta Amérique latine, méta Jap, méta non Jap qui va se créer. Enfin, peut-être méta Europe avec des joueurs qui boostent leur continent. Tueur de gardien 5%, du coup 25% constant. Ok. Et tant qu'il lui reste de l'endurance, il peut utiliser une TS. Ouais, pourquoi pas. Un petit attaquant bleu, 25% constant. Si vous lui mettez une grosse TS, il peut être très cool. Hein. Il peut être très cool le Hino. Franchement, j'aime bien. Ok, retour. Et qu'est-ce qu'on a encore en news? Est-ce qu'il me permet de faire retour? Ok. Info accueil, voilà. On va faire info accueil pour retourner au départ. Et ensuite, on a le Conf versus Conf qui va revenir. Et est-ce qu'on a d'autres news? Non. On n'a pas d'autres news. Du coup, les gars, on va aller se lancer sur le portail. Ok. Ben voilà, les gars, c'est ça qu'on aura tous les jours. Campagne World Ring pendant 27 jours. C'est-à-dire tout le mois de novembre pour pouvoir récupérer du SSR à chaque fois. 10 joueurs gratuits, SR ou mieux. Donc, c'est pas SSR garanti. Portail Allemagne. On a aussi, les gars, un portail plutôt avec les anciens Rising Sun qui reviennent. Franchement, ce qu'ils nous font là, c'est incroyable, hein, les gars. On a le Mizugi Kraké qui revient. Voilà, lui, je pense qu'il est encore jouable. Hein. Encore jouable. Auto inter, tueur de non-jap pas combien, 12%, intensité 10% constante. Défense sur Steve, les gars, il est encore jouable, hein, ce frérot. Donc à ne pas négliger. Après, ils ont remis Sano. Bon, Sano, il a pas été marquant. 4,5. Non. Shingo pour les debuffs, très fort. Très fort pour les debuffs. Il a aussi la 1-2 à 490. Qui d'autre? Soga. Soga. Ouais. Ouais, pourquoi pas, il m'a pas marqué non plus tant que ça à l'époque. Le Nita, je sais qu'il était pas mal le Nita. Booster de joueurs japonais à 1,5% et il donne 5%. Ok, bon. En tout cas, ils ont remis les joueurs Rising Sun pour compléter vos teams. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup, là on va, comme je l'ai dit en début de vidéo, invoquer sur le portail japonais. Dans la deuxième vidéo, les gars, on va invoquer sur le portail Allemagne. Ça, et on fera la review des joueurs allemands là-bas directement. Et du coup, nos joueurs japonais, les gars. On va commencer par Ishizaki. Ishizaki, 11 000 partout en défense. Voilà, direct d'entrée. Par contre, au niveau du physique, 8002 rapidité, 8002 technicité. Ça, c'est un peu juste. 9008 en puissance, ok, ça passe avec le 11 000 en contre, ça fait le taf. De belles stats de dribble, de passe quand même pour un défenseur. Au niveau de son passif, augmentation, cache pleine puissance en gagnant un duel, ok. Il a un contre en binôme avec Jito. Bon, on s'attendait quand même à un Ishizaki avec un gros tacle. Hein. Avec un gros tacle, là, il nous sort un Ishizaki avec un contre en duo. Il a même pas un petit effet spécial ce contre, il est même pas à 500. Donc bof un peu, hein, je dirais. Pour l'instant, du coup, ok, 5% avec deux joueurs Jap Tech.
1,5, pourquoi pas. Il va booster ses frérots japonais. Et mettre sur les ailes, paramètre 20%. Ah ouais. Ils lui mettent sur les ailes 20% pour un perso qui est censé faire des contres. Ok. Seulement de 2 TS à 60% dans un seul passif. Ok. Et courage. Bon, il est cool, mais sans plus, hein. Voilà. Il est cool parce que c'est en fait, il est bon parce que c'est un perso anniversaire, mais en vrai de vrai, il est pas ouf, pas si ouf que ça, les gars, le Ishizaki. Hein. Donc, voilà. Je suis un peu déçu. Hein. Le Shingo, 11 000 en dribble, 10 000 en passe, 12 000 en tac, 11 000 en inter, et 8 000 en rapidité, aïe. 9 000 dans technicité, ok, ça va. Assistance, ok. Il pourra rejoindre les duels autour de lui, MOMD, double poste, comme d'hab. Il arrive uniquement avec la passe à 465. On n'a pas de nouvelle TS sur ce Shingo. Il faudra lui rajouter le dribble pour qu'il soit complet. Deux joueurs japonais, 5%. Ok, du coup, les 6%, c'est pas généralisé. Les 6% ne sont pas généralisés. On a eu les derniers Dreamfest qui étaient à 6%. On pensait que ça y est, les persos qui allaient sortir allaient tous être à 6%, mais non, on dirait pas. Du coup, il arrive avec une auto-inter 80%. Donc voilà, c'est suffisant. Tueur de MOMD 20%. Donc faudra un peu plus le jouer MO hein, pour pouvoir proc ça, surtout face au milieu défensif. Tueur d'endurance 30%. Voilà, 30% les gars, c'est conséquent. Quand vous faites un match entier et que vous rencontrez plusieurs fois ce Shingo, 30% vous les ressentez. Et des activations de 2 scellements de TS. Ok, plutôt bon. Déjà on évolue. Et enfin, le Tsubasa de l'anniversaire, les gars. 13 000 en passe. 13 000 en passe, 12 000 en tir. 10 000 en dribble, ok. Presque 12 000 en tacle. 11 000 en inter, 10 000 en puissance, 9 000, 9 000, 7 en technicité. If I speak, les gars, if I speak, I was in big trouble. Chance maker, ok, c'est cool. Ça, franchement, avec les Tachibana, il va faire des dégâts, les gars. Il pourra les placer comme il veut. Nouveau dribble à 520. Les gars, regardez-moi ça. Un dribble à 520 qui coûte que 280 d'intensité. Je sais pas. La passe à 455, ok. Et il arrive avec l'inter, il est à 465. Bah c'est propre, faudra juste le rajouter le tacle et il sera bon notre ami Tsubasa. Vous lui mettez un bon petit tacle, un bon petit tir et c'est bon déjà. 5% et 2% de shield. Ça fait 7% de lien qui donne au total. Donc franchement, ça c'est très propre. Intensité sur toutes les TS à 10%. Ok. Auto-inter 80%. Et les gars, on a encore un teaser du Misaki qui devrait arriver. Ouais. On l'a eu sur un des Tachibana. Là, on l'a de nouveau sur Tsubasa, les gars. Le Misaki qui va arriver. C'est sûr qu'il va arriver en Dreamfest. Plutôt Super Dreamfest. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à la fin de ce mois-là ou à la fin du mois prochain? On sait pas. Mais en tout cas, les gars, on est sûr qu'on aura un très, 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 très gros Misaki qui va arriver. Là, comment il annonce là sur un peu tous les persos. Voilà. Faudra pas être choqué, les gars. 70% de rejoindre un duel défensif. Donc, ouais. Le Tsubasa anniversaire, il tient ses promesses, hein. Il est pas nul. Franchement, il est pas nul. Du coup, c'est dans l'ordre, hein, les gars, si je devrais classer les persos. Tsubasa en premier, le plus intéressant. Ensuite, Shingo, toujours cool de le récupérer. Et Shizaki, franchement, ça va être le moins bon des trois. Donc voilà. En plus, les gars, petite mention, le Tsubasa qui peut jouer MD. Donc ça va vous permettre de varier un peu dans vos teams. Ok, ben on est lancé les gars, n'oubliez pas les gars, pouce bleu, commentez, abonnez-vous surtout si c'est pas fait. Et nous on est parti pour ce step. Si on peut dropper rapidement, on sera content. 5 feux d'artifice, ok, on n'a rien sur la première. Les animations sont belles, hein. on a les persos avec leur maillot nation. Alors, deuxième ulti, 1, 2, 3,
pas de flamme. KHS, Tsubasa, ouais, rien du tout. Rien du tout, les gars, sur cette deuxième, la troisième multi, les gars. Déjà, big up, hein, les steps à 5 paliers, franchement, c'est cool. Ça nous permet de pas trop mettre de Dream Ball comparé aux anciens steps qui étaient à 440. Sur cette multi, est-ce qu'on va avoir du rate up? Ah, ça va péter. Est-ce que ça va être rate up, les gars? Si on peut avoir Tsubasa dès le premier step. Ah, rate up, Tsubasa! Ah, Ishizaki! Comme de par hasard, les gars, le moins bon des trois qui tombe. Bon, ok, les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, on va aller le chercher, ce Tsubasa. Ouh, Naturezza. Pierre. Les gars, incroyable le maillot du Brésil. Hein. Le maillot du Brésil et de la France, les gars, je vais les prendre. Hein, obligé. Ils sont magnifiques. Ok, dernière multi. SSR garantie du portail. Un garanti sur les trois. Voilà, on veut que Tsubasa, hein. S'il n'y a pas Shingo, franchement, c'est pas grave, mais Tsubasa en priorité. Allez, un seul, ça sentit, ça va être le premier. Et on va avoir notre ami. Ah, Shingo, c'était sûr. c'était sûr. Tsubasa qui veut pas tomber. Écoutez, les gars, on va enchaîner un deuxième step. Deuxième step, il nous faut Tsubasa absolument. Là, pour le coup, on a eu les deux, si on récupère Tsubasa derrière, ben, on aura récupéré tout le step. Si on peut l'avoir cette fois sur ce step-là, ça va être cool, hein, les gars. En deux steps, c'est pas dégueu. Deux steps, tous les persos, c'est pas dégueu. SSR garanti. Le maillot de l'Espagne aussi, qui est pas mal. Hein. Le maillot... Ouh, flamme rouge, plusieurs SSR. Ça brille. Ok, le deuxième ne brille pas. Est-ce qu'on aura Tsubasa ici? Ok, Kaiser, notre ami vieux Kaiser, et Tsubasa, les gars. Ouh, c'est carré de ouf, les gars. On aura tout récupéré, les gars. C'est cool de ouf. On va s'arrêter là. Ça sert à rien de mettre des Dream Ball en plus. On a eu tout le portail. On a des médailles ID sur le compte. Donc voilà, on va pas gaspiller. On va aller l'ajouter à la team, les gars, direct. Vous voyez la triplette Victorino et les Tachibana. Tsubasa, je vais le jouer en MD. Je vais le jouer en MD. Pourquoi? Parce que je me dis, si je récupère un Misaki, sera forcément MO. Et je me laisse la place pour un autre MO. Vu que je pars sur une Amérique latine, j'attends de voir le Diaz qui va sortir. On sait que les Diaz en général, ils sont très très forts, très intéressants. Donc voilà, j'attends de voir le Diaz ou même s'il nous sort un autre MO Japon. Ou un autre MO Amérique Latine qui peut être intéressant. Et si c'est pas le cas, ben je mettrai Tsubasa en MO. Sachant qu'il a une très très grosse frappe. Très grosse tête de frappe. Je le mettrai en MO. Misaki juste à ses côtés. Et derrière, on mettra un MD qui sortira entre temps. Voilà. On va mettre quand même Ishizaki sur le banc. C'est pas sûr que je le mette titulaire. Et voilà. Ben, je pense qu'on est sur un bon petit début de team, les gars. Il reste encore 2, 4, 6, 7. Encore 7 persos, dont un top gardien. Voilà, on va attendre, on va patienter tranquillement. Les portails, on est qu'au début de l'anniversaire, on aura tout notre temps. Voilà, juste vite fait, jeter un coup d'œil dans la boutique. Avant de couper la vidéo, les gars. Marché des Dream Ball. Déjà, au niveau des maillots. Ok, pour l'instant, on a que... Oh, le maillot. Allemagne, gardien, ok. Que les maillots Allemagne et maillots Japon. Maillots Japon qui sont récupérables avec des Dream Ball gratuites. Et après les autres maillots, c'est des Dream Ball payés. Et au niveau des TS, oh, ils sont gentils. Hein. Ah là, ils sont gentils. Ils vous ont mis le tacle dans la boutique. Franchement, ils sont gentils. Ils sont gentils. Il y a la Golden Joe avec Misaki. Ok. Et retourner. Ah, ils lui ont donné le tir Space Distance dans la boutique. Bon, après, Tsubasa, il a tellement de tirs. Avec une grosse intensité que voilà, faudra aller chercher plutôt les tirs sur les anciens Dreamfest. Comme ça, vous pourrez avoir un top Tsubasa. Ouais, ils ont aussi remis pas mal de tests pour les autres persos. Franchement, c'est cool. Ok, du coup, les gars, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Pouce bleu, commentaire, abonnez-vous. On se retrouve pour la deuxième vidéo, les gars, sur le portail allemand. Et à tout de suite.